5 morts, c'est le bilan provisoire de l'attentat qui a secoué Beyrouth ce vendredi matin. La cible de l'attaque, Mohamed Chatta, ancien ministre des Finances. Ce conseiller de l'ex-chef du gouvernement Saad Hariri n'a pas survécu à l'explosion. Il était l'un des ténors de la coalition dite du 14 mars, une coalition hostile au régime syrien et au mouvement chiite du Hezbollah. La voiture piégée a explosé en plein centre-ville. جينا الصبح مرقنا من مطرح ما بصير الانفجار صفينا السيارة وكنا واقفين جوا عم نشيل وفجأة هز كل البناية يعني تقريبا ونزل الإزاز وغبرة طلع استوعبنا إنه صار في انفجار و Outre les 5 personnes tuées, les autorités ont dénombré plus de 50 blessés.